On a eu une soirée, je dirais, magique pour le football sénégalais ici à Rabat, au complexe Mohamed VI, puisque les CAF Awards 2022 auront consacré définitivement le Sénégal comme place forte du football africain, puisque sur 6 distinctions, le Sénégal en a remporté 5, et les plus importantes. Et je pense que pour cela, nous devons dire que tout vient à point. Nous avons travaillé, tous les Sénégalais, à cet événement. Et après le 6 février et après le 29 mars avec cette qualification de Coupe du Monde, précédé donc le 6 février de cette CAN remportée au Cameroun, ici au Maroc, en notre pays de Lyon, nous célébrons aujourd'hui le succès du football africain dans toutes ses composantes avec le meilleur joueur Sadio Mané, qui symbolise tout ce que le Sénégalais a d'excellence dans le football et qui vient, après El Hadj Diouf, faire un doublé pour ce trophée-là, après 2019. Nous avons eu le coach Aliou Cissé, qui connaît la grande consécration. Pendant 4 années, il a apporté notre pays au rang de premier en Afrique dans le classement FIFA. Ça ne suffisait pas, il est allé remporter ce trophée-là. L'équipe nationale aussi a été célébrée aujourd'hui. Et surtout, l'avenir a été célébré à travers 2 personnes. C'est le jeune Pape Matar qui fait partie intégrante de l'équipe A après avoir fait les beaux jours de notre équipe U17. Mais aussi Pape Ousmane Sarro qui montre que le Sénégal de l'excellence du football ne s'exporte pas seulement en Europe mais en Afrique, puisque de la lointaine Tanzanie, il nous a ramené le plus beau but de l'année. Et ça montre toute la vitalité dans toutes les composantes, mais aussi dans toutes les générations de notre football. Et si on se dit qu'il y a quelques jours ici au Maroc, l'équipe féminine a fait parler d'elle, alors que personne ne s'y attendait, tous les observateurs disent que le Sénégal a été la vraie découverte, la surprise de ce tournoi-là, parce qu'on ne les attendait à ce niveau. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et que le Manco Outindam est en train de faire des émules dans toutes les composantes du football. Et c'est l'occasion quand même, je pense encore, de magnifier cet élan national de tous les Sénégalais, du 12e Gaïndé, le 12e qui s'est traduit par ce Manco Outindam, de la plus grande place du football, de notre pays, qui se trouve être le palais de la République avec le président, jusqu'aux confins du Sénégal, dans le fouta lointain de Adama Kandé. Tout le monde a vibré, El Hadj Ndiaye, donc tout le monde a vibré pour le football à un certain moment, et tout le monde a voulu ce trophée, et c'est pour ça que nous avons été là, au bout, parce que le peuple nous a apporté, les autorités, les supporters, les journalistes aussi. Je pense que c'est le moment de remercier tout le monde, on n'en a pas eu assez l'occasion, et surtout de dire que c'est vrai, c'est une consécration, c'est une célébration, nous sommes contents aujourd'hui, mais c'est surtout un appel à redoubler d'efforts. C'est l'occasion de dire que 2022 n'est pas fini, nous devons parachever cela, et il y a certaines dates à cocher, c'est-à-dire un 21 novembre et un 18 décembre, où nous devons aussi réécrire d'autres pages d'histoire pour le football sénégalais, avec cette Coupe du Monde qui arrive, et nous devons tous nous remonter à bloc, aller chercher au fond de nous-mêmes cette humilité et cette ambition qui ensemble font la force aujourd'hui du football sénégalais pour aller chercher d'autres victoires. Yenen Indam, comme on dit. Parce que tay liñ fi gis demay né goulet la ci ay CAF Awards ak Ballon d'Or africain muy lan tay buñu xolé ci walu football goor yi. Le trophée qu'on a donné, c'est qu'on a pris tout le Sénégal. On a laissé un peu dans le Jérôme Benna. Il a dit qu'on a tout le Sénégal. Le football sénégalais, depuis l'année, il a eu le premier classement FIFA. Les gens ont dit qu'ils ont gagné. Mais Dieu est venu avec le PM. Dans le travail que vous savez, la fédération a fait, les footballeurs ont fait, les coachs ont fait, les staffs ont fait. Mais l'autorité est japonaise. Ak askanu wa Sénégal ñep né jot nañu gagné biñ ko décidé ñu manko nek ben woutindam li ndam li dafa ñew donc defena jangat biñ ci am tay moy biñu joggé ci le 6 février indi coupe bi Sénégal le 29 mars ñu qualifié wat coupe du monde après 2018 tay fi ci Maroc ci Rabat dañuy mëteul mbir mi
manam raay nga xamna joxé nañ ko fi goulet ñu jox ko ben dëkk ci ben goudi la CAF Awards donc defna lool day woné rek né sénégalais war nañu mëna titre ci sen équipe nationale war nañu titre sen football parce que def nañu djégué yo xamné aduna ci yépp tay nangul nañ leen ko parce que tay xam nañ né liñ ñu jox yépp duñ ñoko jox suñu bop ñi nga xamné ñoy voter muy observateur muy expert yi wa aussi autorité CAF yi ñoo djébal sénégalais yépp pour mandargal liguey bu rafet bi suñu askan bi def ñuy gëreum ñëpp di gëreum commencer ko ci chef d'état Macky Sall son gouvernement ministre des sports mais aussi askanu football bi 12e gaynde ale casa presse sénégalaise parce que liñu am ni suñu bolo nek ben moñu ko may té mu baña nek lo xamné fi lay yem parce que défena yagoon nañ ko wut yalla ubil nañu buntu bi té pour que ñu dem outuat yenen ndam duñu doylu ci li coupe du monde mu ngi ñew novembre décembre am nañ yaakaar que dinañ dama jëli fu mu goran soré motivation bi ñu amone pour tégaat ko manko bi tamit tamit ak manouté pour dem xexi li nga xamné moy nek lo xamné xejna moy sax keun li ñu amagum fi muy lan nek première équipe africaine bo xamné xejna moy yeggal football africain demi-finale coupe du monde. Merci. 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 Merci.